Shalom, shalom. Il a failli dire venez, oh, venez, c'est ici qu'on est. La technique nous a causé quelques problèmes, mais Armand a pu trouver une solution en ayant de l'autre bout du fil le maestro Ebenezer Ake. Et qui, je précise au passage, est pasteur. Il est multitâche. Et puis, il n'est pas pasteur pour la forme, il est pasteur vraiment. Parce que souvent, quand tu sais lire et écrire, on te mêle en disant, bon, tu es un pasteur. Non, ce n'est pas un tel pasteur. C'est un pasteur qui répond vraiment à un appel divin. Et son appel a été détecté. C'est comme ça. Alors, si tout le monde est là, je pense qu'on va commencer maintenant le direct. Allez-y, dire à vos frères, vos sœurs, que voilà, le premier lien, finalement, c'était pas, on n'a pas pu continuer avec, et que nous sommes là, nous sommes à présent encore sur la page L'Ange Emmanuel Doski, et nous allons commencer. Je salue tous ceux qui sont au passage. Je vois que Anaël Nancy Orem vient de répondre en donnant un numéro à Korotoum Diaby. Plus 225 07 09 82 35 97. J'atteste et je confirme que c'est effectivement mon numéro. Alors, venez ou venez. Voilà, l'homme nous dit, je parle d'Élie Joseph, que le son est parfait. Donc, on m'entend. Je suis très, 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 très heureux. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. Appelez vos frères, appelez vos sœurs, partagez le direct, mettez dans plusieurs groupes. Cela va faire du bien aux personnes. Partage par lien WhatsApp, etc. Je crois que Dieu va faire énormément de bien à quelqu'un. Nous sommes à cette heure, à l'heure des choses de la nuit. Il fait nuit. Le soleil s'est déjà couché, le ciel est noir et nous sommes dans vos salons, nous sommes dans vos véhicules. Pour ceux qui sont encore dehors, nous sommes dans vos téléphones, vos moniteurs, écrans, ordinateurs. Nous sommes là pour parler des choses divines. Il y a un temps où on s'amuse à être sur Internet, à regarder, comment on dit, des gags, quelques vidéos brèves qui font rire. Et on partage à des amis, on met un statut. C'est bon de se détendre par moment. Mais il y a un temps où il faut penser à des choses sérieuses. Un temps où il faut être à la recherche des questions, à la recherche de réponses à des questions qu'on s'est plusieurs fois posées. Et je crois que Dieu voudra bien nous utiliser en ce jour, dans notre intervention, dans ce direct, à apporter des réponses et surtout à apporter des solutions. Je salue Guy de Dieu. Je salue encore faveur de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur elle. Et elle est déjà sur elle et sur tout le monde, paix et joie élue. Je vous salue tous. Que vos bons noms vous influencent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons commencé à parler depuis un moment et nous allons continuer dans ce sens-là. Amen. Est-ce que tu as suffisamment partagé? En général, lorsque je commence à parler, lorsque je commence à enseigner, je perds le réflexe de dire, de mettre les cœurs. Je perds le réflexe de dire partager. Voici pourquoi dès le début de la vidéo, je le dis. Voilà, tout à l'heure, nous avions commencé, nous étions plus nombreux que maintenant. Malheureusement, il y a eu quelques petits soucis techniques qui viennent d'être résolus. Donc, appelez les autres. Il y a une question que je vois en commentaire de Nzi le Grand Eman. Il dit, peut-on conserver longtemps un mixage consacré eau, huile et vin dans un flacon ou petite bouteille afin d'en faire usage au besoin? Voilà, je vais répondre à cette question tout à l'heure. Et s'il répondait en même temps, j'essaie de voir s'il y a une autre question. Est-ce que les fils de lumière qui n'ont pas peur des ténèbres sont là? On n'a pas peur de ténèbres, même s'il fait nuit, que nous on se lève la nuit,
notre présence impose le jour. On va parler des choses de la nuit. On va parler des choses de la nuit. Donc, je pense que s'il y a une question, au fur et à mesure que c'est l'entendre de parler, on me dira, moi, je vais quitter maintenant l'interface. Je salue tout le monde. J'espère qu'il y a des noms que je n'ai pas pu dire. Je n'ai pas pu dire Valentin Akako. Je le salue. Zad Wali, bonjour. Laura Boabré, je l'avais salué tout à l'heure. Edith Bro Aya, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Josie, Seka, Stéphane Oufflet, fils, que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Alors, nous allons commencer. Merci Seigneur parce que tu nous assistes toujours. Tu vas prendre ta Bible. Oui, tu vas prendre ta Bible parce que nos histoires qui nous réunissent sont des histoires bibliques. Ici, ce n'est pas mythe et mystère où on raconte nos expériences uniquement au village. Quand j'étais petit, les génies m'ont pris. J'étais perdu dans la forêt. Après, je suis revenu. Non, non, non. On a nos expériences. On a nos expériences. C'est clair, mais toutes nos expériences sont éclairées à la lumière justement de la Bible. Et nous allons parler aujourd'hui avec Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 que nous avons déjà lu à plusieurs reprises et nous allons lire aujourd'hui encore. Je veux que tu restes concentré. La lecture peut être un peu longue, je vais sauter quelques parties, mais je voudrais que tu écoutes. Je vous ai dit qu'on allait beaucoup lire aujourd'hui. Genèse chapitre 1. Je salue tous ceux qui sont en train de nous prendre en cours. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est votre serviteur, l'ange Emmanuel Doski, fils spirituel du révérend père Doski Jaurès et Yoro. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Point. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Ça, c'est le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le second jour. On est au deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous, ainsi de suite, les eaux vont commencer à produire les animaux, etc. Il eut, verset 13, il eut ainsi un soir et il eut un matin, ce fut le troisième jour. Amen. Verset 14, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours, le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ainsi de suite, Dieu vit que cela était bon. Verset 19 maintenant. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Amen. On va continuer la lecture. Mais pour ne pas que tu perdes le fil peut-être, je vais déjà te faire poser une question. Je voudrais que tu te poses cette question-là. On vient de lire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La seconde phrase, après que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. On nous dit, c'est le premier jour. Le second jour, Dieu va séparer, le ciel va exister. Il va séparer les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut. Le sec va paraître. L'étendue existe. Ça, c'est le second jour. Le troisième jour, la terre va produire les animaux. Les eaux vont grouiller de monde. Les oiseaux vont venir. Tout ça, ça, c'est le troisième jour. Les plantes, etc. Le troisième jour. Maintenant, le quatrième jour, Dieu va créer des luminaires. Je vois que tu commences à repérer la question. Dieu va créer des luminaires. Il crée un plus grand luminaire qu'on appelle le soleil, un plus petit qu'on appelle la lune, et il va créer aussi les étoiles, afin que le soleil, les étoiles et tous ces astres-là donnent leur lumière à la lune, donnent leur lumière à la terre. La question que je voudrais que tu te poses, donc c'est au quatrième jour que Dieu crée le soleil, les étoiles et la lune, et les place dans le ciel. Sachant que la définition qu'on donne au jour, c'est le moment où le soleil se lève, qui est le jour. Quand le soleil se couche, le soir commence. Alors, comment les trois premiers jours étaient déterminés? Dis Amen. Je pousse la question plus loin. Si Dieu a dit dès le début, avant même qu'il n'y ait le premier jour, que la lumière soit, et la Bible nous dit que cette lumière a été, la lumière fut. Plus tard, quatre jours après, Dieu crée le soleil. Y a-t-il une différence entre la lumière hein, dont nous parlons dès les premiers versets, que la lumière soit, et la lumière des astres en question? Quelqu'un a dit Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de voir le sens de ma question? Que la lumière soit et systématiquement la lumière fut, point bas. Ce n'est pas comme si la lumière était en constitution. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Lui-même Dieu, il a nommé la lumière jour et les ténèbres soir. Donc, je vous ai dit ici la dernière fois, les ténèbres ne sont rien. Les ténèbres, ce n'est rien. C'est juste une absence. C'est l'absence de la lumière qui est ténèbre, c'est tout. Les ténèbres en elles-mêmes ne constituent pas une présence. Donc, au lieu de lutter contre tes ténèbres, il faut allumer dans la lumière, c'est tout. On ne lutte pas contre les ténèbres. Vous aimez? Est-ce que tu peux dire, come on, et puis j'avance rapidement, on va revenir dessus. Maintenant, au quatrième jour, Dieu crée les luminaires. Donc, en fait, en réalité, il y a deux formes d'éclairage. La Bible dit que Dieu fait les luminaires dans le but d'éclairer la terre. Mais avant ça, il y a une lumière qui existe. Après, on n'en parle plus. On ne sait plus finalement cette lumière va servir à quoi. Et l'attention de l'homme va rester connectée à la lumière du soleil. L'homme va désormais regarder le soleil pour dire « il fait jour ou il fait nuit ». Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous avons oublié cette première lumière pour laquelle Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons oublié cette lumière. On va y revenir tout à l'heure. On continue notre lecture. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Hier, je disais ici que Dieu a créé l'homme pour dominer. S'il y a un homme qui est dans son cœur, n'a pas envie de dominer les histoires où on règne, les histoires où on évolue, c'est que c'est un homme qui est indigne de son espèce. Je l'ai dit, ça fait mal à certaines personnes, mais c'est la vérité. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu est intéressé que nous soyons puissants, spirituellement, mystiquement, que nous soyons puissants. Financièrement, ça intéresse Dieu. Il faut dire Amen. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer. Ainsi de suite, on lit jusqu'à ce que Dieu se repose. Amen.
On revient, ça c'est tel que les choses se sont passées. On revient, on va dans Genèse chapitre 2. Et je vais lire à partir du verset 8. La Bible dit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, du côté de l'Est. Ça veut dire que quand Dieu a commencé la vie de l'homme, il a placé l'homme à l'Est. L'Orient, c'est ça. Il met l'Orient, il met le jardin d'Éden du côté de l'Est. Il met le lieu où l'homme aura tout ce dont il aura besoin à l'Est. Bien-aimé, quand nous vous demandons de faire certaines prières et on te dit, tu es en train de faire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, il faut te tourner à l'Est. Et puis quand il me tourne ici, c'est vraiment l'Est ici. Hein. Il faut te tourner, c'est l'habitude, parce qu'il peut toujours à l'Est ici. Il faut te tourner à l'Est. Bien-aimé, c'est parce que la personne veut te faire rentrer dans ta bénédiction. Il y a deux types de grandes bénédictions. Il y a la bénédiction Canaan et il y a la bénédiction Éden. La bénédiction Canaan, c'est une très bonne bénédiction. Mais quand tu l'as, tu continues de faire des guerres éternelles avec tout ton voisinage. La bénédiction Canaan, c'est la bénédiction de David qui était roi. Il a été un roi, mais il a passé beaucoup d'années à faire la guerre, à fuir Saül. Même quand il a été roi, il a passé toute sa vie à faire la guerre avec tous ses voisins. Si bien que même quand il a voulu bâtir le temple, Dieu a dit, tes mains ont versé trop de sang. Plus tard, son fils prend le pouvoir, un homme qui n'est pas un guerrier, un homme qui... Il s'appelle Salomon, l'homme de paix. Finalement, normalement, ça devait être une période où tous les pays environnants, les royaumes environnants devaient faire la guerre à Salomon pour le tuer rapidement en se souvenant de ce que son père avait fait. Mais bizarrement, quand il a son projet de bâtir, mais voici Hiram qui est quelque part là-bas, il vient avec les choses. La Bible dit les gens prennent des bateaux, ils traversent les îles. Les gens sont en train d'aider, comment on appelle, Salomon, à bâtir le temple de l'Éternel, des étrangers. Des gens viennent avec le cèdre du Liban. Les gens traversent le désert pour venir aider Salomon. C'est ça que... Et puis, il avait tellement le temps qu'il allait marier jusqu'à 1000 femmes et bâtir des temples pour leur Dieu. Il y a un temps comme ça pour faire la guerre et il y a un temps où Dieu nous met au large. Je prie et je proclame dans ta vie que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, t'élève aux yeux de tes ennemis. Et que cela n'ait aucune capacité de t'atteindre au nom de Jésus. Je déclare que ta vie, que ton foyer, que tes finances sont hors d'état d'être atteint au nom de Jésus. Dieu met toute ta vie au large. Dieu fait de telle sorte que tu échappes à tes ennemis. Aucun de leurs projectiles n'a la capacité d'arriver là où tu es au nom de Jésus. Je déclare, pendant que je suis en train de parler, que le ciel s'ouvre et que le feu descende sur l'arsenal de guerre de tous les sorciers de ton village, de tous les sorciers de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant cela. Je déclare maintenant cela. Je déclare maintenant cela. Je déclare maintenant cela. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Et nous allons continuer la lecture. Donc, l'Éternel met le jardin à l'Orient. Je suis au verset 8. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme dans le jardin. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est lui qui entoure le pays de Couch. Le troisième est Idékel, le Tigre. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve,
c'est l'Euphrate. C'est un fleuve populaire maintenant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Après, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, plein de choses. Donc, je vais vous parler maintenant. Est-ce que quelqu'un est en train de dire, come on, afin que je parle rapidement? Est-ce que quelqu'un est en train de dire, come on, afin que je parle rapidement? Est-ce que quelqu'un est en train de dire, come on, je cherche à voir des cœurs qui montent? Oui, je cherche à voir des gens qui appuient des cœurs, des gens qui appuient des pouces bleus. Et je vais commencer à parler. Je vais commencer à parler. Voici ce dont nous allons parler. La Bible dit, Dieu a créé l'homme et Dieu le met dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Avant tout propos, je voudrais dire à une personne que cette parole a deux dimensions. La première dimension, la dimension la plus populaire que l'on sait, c'est que Dieu a placé l'homme comme un jardinier afin que l'homme cultive le jardin, afin que l'homme garde le jardin. On peut accorder cela. C'est une première dimension littéraire, on peut comprendre de cette façon. Dieu a mis Adam dans le jardin afin que Adam cultive le jardin. Il a mis Adam dans le jardin afin que Adam garde le jardin. Mais voici un autre sens que tu dois avoir. Dieu a mis Adam dans le jardin pour le cultiver. Pas pour cultiver le jardin, mais pour cultiver Adam. Pour donner une connaissance spirituelle à Adam. Dieu a mis Adam dans le jardin afin que Adam soit gardé. Dieu a mis Adam dans le jardin pour la connaissance d'Adam, pour une culture, une connaissance mystique, une connaissance des choses spirituelles. Lorsque Dieu visite une personne, il lui donne la connaissance d'Éden. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 4, à partir du verset 33, que Dieu a rempli de sagesse Salomon. Il était tellement rempli de sagesse qu'il a écrit plusieurs livres. Il a écrit plusieurs choses sur toutes les plantes de la terre. Il a parlé des animaux. Il a parlé des poissons. Il a parlé de toutes les plantes. Il a même parlé de l'hysope qui brise le mur, de l'hysope qui sort de la muraille. Ça aussi, c'est un code. L'hysope, on ne prend pas seulement pour faire des prières de purification, comme on le voit. On peut faire une prière avec, parce que la Bible dit, l'hysope qui sort de la muraille. On peut faire des prières. Il y a des gens qui vivent une vie, il y a des murailles au-devant d'eux. C'est une vie de limitation. Tu prends ce passage-là, tu commences à parler dessus, tu actives la partie de l'hysope qui brise la muraille, tu parles. Il n'aura aucun mur au-devant de toi. Les anciens blocages-là, c'est le passé. C'est vraiment le passé. Je me retiens un peu quand je donne les secrets parce que plusieurs de mes enfants spirituels m'ont écrit pour dire, papa, vas-y, Molo, ne donne pas toutes les choses aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vous aiment pas et qui sont là, qui écoutent, et puis ils prennent la connaissance là pour aller. Mais bon, nous sommes des hommes de Dieu. La dernière fois, mon père spirituel m'a transmis un témoignage, ça m'a fortifié. Ça m'a fortifié, il est allé dans un institut de beauté mixte. C'est un endroit où il y a des coiffeurs hommes, des coiffeurs, coiffeuses femmes. Ils font tout ce qui est beauté là-bas, pédicure, manucure, des choses de ce genre. Et puis, le coiffeur rendait un témoignage parce qu'il m'avait vu enfin dans une vidéo avec Daddy. Ah, il y a un homme de Dieu là, je ne savais pas que vous le connaissez, que tu le connaissais, vieux père. Que moi, c'est mon pasteur sur Facebook. Je suis quelqu'un, je faisais plein de cauchemars. Je me retrouvais toujours dans un endroit où il y avait la mort. Je voyais plein de choses comme ça. Et puis,
J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des choses. Il n'y avait aucune solution, il n'y avait aucun changement. Et un jour, je tombe sur une vidéo, un homme de Dieu qui dit, si tu fais de tels rêves, que tu as les moyens, prends un mouton, tue et mange. Si tu n'as pas trop d'argent, prends un poulet, tue et mange. Il s'assied, il dit, aïe, c'est quel pasteur ça là encore? Et puis, il était en veste. S'il avait porté des boules, des choses comme ça, il allait dire, mais bon, d'accord. Comme il souffre. Effectivement, il a payé son, il a acheté son poulet. Il a dit, Seigneur, ce que l'homme de Dieu a dit, là, c'est ce que je suis en train de faire. Il a tué, ils ont fait cuire, il a mangé. Depuis le jour où il a suivi cela, c'est fini le cauchemar. Si bien qu'au travail, tout le monde a remarqué, même les clients, ah, mais tu vois quand quelqu'un coiffe toute la journée et puis il va se coucher, il n'arrive pas à dormir. Il doit se lever tôt le matin pour venir. Ça affecte son physique. Donc, il était devenu bizarre. Or, c'est le métier où quand toi-même, tu n'es pas très beau, attrayant, les clients n'aiment pas. Mais finalement, il s'est retrouvé là, retrouvé son sourire, son teint, tout et tout. Donc, les gens lui parlaient. Il a fini par dire son secret. Il dit, ah, c'est le pasteur qui parlait de poulet ici. Moi, j'ai tué mon poulet, je mange. Ça fait que même au travail, quand il y a quelques difficultés, il n'y a pas trop de clientèle, il tue. Et il mange, il fait sa prière, il rend grâce à Dieu et ça fonctionne. Ses collègues, femmes ont commencé à dire, mais c'est quelle façon de faire ici, là. Viens, on va prier ensemble. Et il leur a dit, mais on a toujours prié tous les matins, on s'attrape les mains, on prie ensemble. Tous les soirs, quand on finit de travailler, on s'attrape les mains, on prie ensemble. Et quand moi, je rentre chez moi, il m'avait fait des cauchemars. Moi, c'est celui qui tue poulet là que je vais écouter. Ce sont des témoignages qui fortifient. Ce sont des témoignages. Non, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement. Comme le hasard n'existe pas, sinon, si je dis hasard, les gens vont m'attaquer. C'est par le hasard qu'il a rendu ce témoignage à Dadi. Et moi, ça me fortifie. Donc, c'est pourquoi on ne retient pas tout. C'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné une certaine connaissance. Par sa grâce, on a eu de bons maîtres, un bon père qui nous enseigne. Il faut à un moment donné partager. Donc, laissez-moi donner au moins la dîme sur les réseaux sociaux de façon publique. C'est clair que ce n'est pas tout qui est dit, mais chacun a l'Esprit de Dieu. En écoutant ce que vous êtes en train d'écouter, Dieu lui-même, par son Esprit, peut ouvrir vos yeux sur certaines réalités. Et depuis que j'ai commencé à vous enseigner de cette façon, je crois que même en méditant la parole de Dieu, tu vas méditer d'une certaine façon. Amen. On parlait de quoi? Et j'ai ouvert cette grande parenthèse. On parlait de Adam. Dieu a placé Adam dans le jardin afin de le cultiver, afin de rendre Adam indépendant. L'une des premières choses, Dieu va faire passer tous les animaux devant Adam, exactement comme ce que je viens de citer, le verset 33 de 1 Roi, chapitre 4, comme il a fait pour Salomon. Et la Bible dit, il fait passer les animaux pour voir comment Adam allait les nommer, ce qui veut dire que Dieu avait déjà arrêté des noms pour ces animaux-là dans son esprit. Et Adam a donné un nom à ces animaux. Bien-aimé, donner un nom à une chose, c'est découvrir la chose. Quand je dis découvrir, vraiment découvrir. Donner un nom à une chose dans la Bible, c'est posséder la chose. Avoir le nom d'une chose, c'est avoir la clé de la chose. Voici pourquoi dans la Bible dit, comment il s'appelle? Jacob a lutté avec l'ange et il demandait le nom de l'ange. Pourquoi il veut savoir le nom de l'ange? Lisez dans la Bible, les parents de Samson, lorsqu'ils ont rencontré l'ange, ils lui ont demandé comment il s'appelle. Lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il a dit, quand j'irai, je dirai quel Dieu. Il veut savoir le nom parce que quand tu as le nom d'une entité, quand tu as le nom d'un élément, tu possèdes l'élément. Voici pourquoi David, quand il prie, il dit, Éternel, tu me connais. Tu me connais par mon nom. Ce n'est pas juste que Dieu a déjà entendu David. C'est une façon de dire, tu me sondes. Et dans la suite même, il le dit, tu me sondes. Tu sondes jusque mes reins. Donc, c'était une façon de voir si Adam savait l'utilité de ces choses, si Adam savait l'utilité de ces animaux, si Adam savait l'utilité de ces plantes, si Adam savait l'utilité de ces eaux, si Adam savait l'utilité de cette terre, si Adam savait l'utilité de ces pierres précieuses. La Bible dit qu'il y avait quatre fleuves et les fleuves sont spécifiques. Le premier fleuve, c'est le fleuve qui coule dans ce lieu où il y a l'eau pure. Bref, qu'est-ce que je veux vous dire?
Pour cultiver Adam, Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden, à l'Orient. Pour cultiver Adam, pour le garder, Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden, à l'Orient. Première chose, prier en se fixant un point cardinal est spécifique, correspond à quelque chose. L'Esprit de Dieu est partout. Peu importe où je m'assois pour prier, où je tourne mon visage pour prier, Dieu va m'exaucer. Alléluia. Que tu sois couché, que tu aies les pieds en l'air, que tu sois debout, etc., Dieu va t'exaucer. Sauf que tout ne correspond pas à tout. Quand tu es un père et que tu parles aux enfants, l'enfant qui fait comme ce que le père dit, le père est toujours fier de lui. Il aime tous ses enfants, mais il a une fierté particulière pour l'enfant qui fait comme lui, l'enfant qui veut lui ressembler. Et Dieu lui-même, dès le départ, l'adresse qu'il donne à Adam, c'est une adresse à l'Orient, à l'Est. Je vous dis que ce n'est pas les choses pour aller au paradis, mais c'est les choses pour dominer sur terre. Tourner son visage vers l'Est pour prier va te faire du bien. Oh, est-ce que je peux parler? Mais regardez autour de vous. Regardez les pays où on oblige leurs adeptes à tourner leur visage où le soleil se lève pour prier. Ils sont en train d'acheter tous les clubs que vous supportez. Et toi, tu fais rien, tu es assis là, tu pries dans tous les sens et tu comptes sur, comment on appelle, pronosport pour gagner. Tu paries sur les clubs que tes amis achètent. Bien-aimé, tourner son visage où le soleil se lève. Dieu a dit à Moïse, étends le bâton. Il étend le bâton dans la direction indiquée. Pendant qu'il est en train de parler, un vent souffle. Le vent vient de l'est. Un vent chaud vient. Le vent souffle. C'est ce même vent qui est venu avec les sauterelles. C'est ce même vent qui est venu avec plusieurs fléaux afin de vaincre l'Égypte. C'est ce même vent qui a soufflé et la mer s'est divisée. Le peuple d'Israël a été sauvé. Quand Dieu veut te sauver, il te dit il faut regarder à l'est. La Bible dit, lorsque Dieu a fini de parler à Caïn, il a dit, « Désormais, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour boire le sang de ton frère. » Il finit de parler, Caïn se plaint un peu et finalement, Dieu lui donne des indications. Qu'est-ce que Caïn fait? Il prend le chemin de l'Est, le chemin de l'Orient. Quand il tourne son visage vers l'Orient et qu'il part, la première chose, il fait une rencontre. La Bible dit, il se marie. On imagine, ce n'est pas écrit comme ça. Mais il se marie, il va faire un enfant, il va bâtir une maison, ensuite une seconde maison en plus, une troisième maison. Il va bâtir un quartier et finalement la Bible dit quoi? Il s'est bâti une ville et il donne le nom de sa ville, de son fils à la ville, Enoch. Et Enoch est quelqu'un que Dieu va aimer. Bon, c'est bon. Tout simplement parce qu'il est sorti par l'Est. Donc c'est la première chose que je voudrais vous dire aujourd'hui. Les points cardinaux ont un effet sur les prières que nous faisons. Mais l'un des points cardinaux principaux pour les choses de la terre, pour la prospérité, pour le rayonnement, tu es un artiste, tu veux qu'on te voie, mais il faut tourner ton visage vers l'Est. La Bible dit, David qui est un roi, il est roi, il est prophète, il est guerrier et il a plusieurs femmes. Ça veut dire que c'est un homme. Il y a toutes les raisons de faire la grâce matinée. Mais il dit, il se lève chaque matin avant le soleil et il prie, il se tourne, il fait ses prières. S'il finit après, il veut faire sa grâce matinée, il va le faire. Et il devance l'aurore. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait attention au lever du soleil. Il devance l'aurore. Avant que le soleil ne se lève, il s'est déjà levé. Les deux se lèvent ensemble et il fait des prières. Voici pourquoi David est un si grand roi. Il n'était pas le premier roi d'Israël. Il n'était pas le premier roi d'Israël. Saül a fait quoi? Saül a commis une seule erreur. Et lui, David, il a multiplié les erreurs. David est rentré dans le temple, ils ont pris les pains de proposition pour manger. David n'est pas lévite, il n'est pas... Mais Dieu même a permis. Le sacrificateur dit, oui, viens avec tes gars. Mais seulement, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Il dit, vous pouvez manger le pain, mais si hier, si pendant toutes ces semaines, personne n'est allé avec une femme, vous pouvez manger, mais si tu agrées hier, tu ne peux pas manger. C'est comme ça.
Souvent, quand on donne les prières, on dit, il faut prier, c'est vrai, tu es marié. Mais l'huile que je vais mettre sur toi, il faut faire 3 jours. Ne va pas avec ton épouse. Il faut expliquer ça à ton épouse. C'est à cause de ça, c'est bon d'aller à l'église avec son mari ou bien son époux, sa femme, son épouse. Parce que les choses spirituelles regardent tout ça là. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. La seconde chose, la Bible dit, Dieu fait pousser du sol. Donc, il y a la notion terre. La terre est importante. On ne va pas revenir sur ça. Pendant tout le temps, c'est des synthèses qu'on est en train de faire. Dieu fait sortir des plantes. Tout ça là pour cultiver l'homme. Dieu fait sortir des plantes pour garder l'homme. Bien-aimé, je suis venu vous dire aujourd'hui que les plantes sont nécessaires dans notre épanouissement. Tu n'as pas dit amen. L'utilisation des plantes est nécessaire dans notre épanouissement. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de se dire là-bas, mais c'est quoi cette nouvelle façon de prier? Je peux lui répondre non. C'est quoi cette nouvelle façon de prier? La dernière fois, ils ont mélangé le lait pour faire des choses. Mon ami, les gens ont leur témoignage. Et aujourd'hui, il y a du vin devant lui. Oui, c'est du vin dans la calice. La calice, c'est pourquoi il y a les olives dessus et le raisin dessus. Il y a des olives devant lui. C'est quoi cette histoire d'eau devant lui? On peut prier simplement. Ma soeur, il ne faut pas te mettre dans ce genre de choses. Tu vas prendre les démons pour rien. Faut pas. Je veux lire un passage pour lui. C'est important. Parce que tout ce qu'on fait qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, je suis obligé de lire pour vous convaincre. Tu vas prendre Éphésiens chapitre 6. Et puis après, je ne réponds plus à ça, à ce genre de raisonnement. Éphésiens chapitre 6. Je vais lire le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18. Si quelqu'un a trouvé, la personne peut copier et mettre également en commentaire pour que ceux qui n'ont pas une Bible sous la main puissent suivre. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Est-ce que la parole te fait du bien? Je lis. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bon, est-ce que je dois commenter ça là? J'ai fini de répondre non. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, c'est au pluriel. Fais en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Cela veut dire déjà qu'il y a plusieurs sortes de prières. C'est assez clair. Et on est dans le Nouveau Testament. Et il fait en tout temps toutes sortes de prières. Donc, tu ne peux pas lui dire, c'est quoi cette nouvelle façon de prier? C'est cette nouvelle façon de prier-là qui va t'envoyer dans de nouvelles dimensions. Tu ne peux pas prier exactement de la même façon tout le temps et espérer et vivre de nouveaux témoignages, de nouvelles choses. Les défis ne sont pas les mêmes, les adversaires n'ont pas le même niveau. Il faut dire amen. Est-ce qu'on peut retourner dans nos choses de la nuit? Ils ont fait un souvenir dans le Nouveau Testament. Donc, c'est une sorte de prière qu'on est en train de faire depuis le début du mois. C'est une sorte de prière qu'on te dit, porte le bleu. Amen. Les plantes sont importantes dans notre épanouissement. Quand Dieu veut te faire du bien, il te donne une plante. La Bible dit que la première chose que Dieu fait pousser du sol, il s'agit des arbres, des plantes, et Dieu va mettre l'homme là-bas. Quand nous prenons le livre de Genèse, l'histoire de Noé, la Bible dit que Noé est dans le déluge et quand tout ça finit, il balance une colombe. La colombe va prendre une plante. La colombe n'est pas allée chercher un caillou sec. La colombe n'est pas allée prendre je ne sais pas quoi d'autre.
Mais la colombe est revenue avec entre ses becs la branche, les feuilles d'un olivier. Il faut dire Amen. Et je vous ai déjà enseigné ici que ce n'est pas une plante qui existait avant le déluge, mais c'est une nouvelle plante que Dieu donnait à l'humanité. Le symbole pour dire que tout va bien. Le symbole pour dire qu'il n'y aura plus de punition, il n'y aura plus de malédiction. Dieu envoie l'olivier à l'homme. On dit Amen. Deuxième chose, quand Noé descend, la Bible dit, Noé fut le premier cultivateur de la vigne. Noé fut le premier homme à cultiver la vigne. Pourquoi il est le premier? Parce qu'avant lui, ça n'existait pas. Donc Dieu donne deux plantes. Ça ressemble à la Genèse là. Dieu donne deux plantes. Il donne l'olivier et il donne la vigne. Chaque fois qu'il y a un déluge, Dieu donne deux plantes. Après le premier déluge, ne me demandez pas quand ça a commencé. Parce que la scène de Genèse 1 là, c'est une scène post-diluvienne. C'est comme ça on dit, post ou... il venait d'avoir un déluge. C'est pourquoi la terre était devenue informe et vide. Il y avait l'eau dessus. Après, Dieu va retirer l'eau. Quand Dieu finit de retirer, il donne deux arbres. Il dit à Adam et Ève que les deux arbres, là, il ne doit pas manger les deux. Il y a un qui doit manger, il y a un qui doit rester là comme ça. Chaque fois qu'il y a un déluge et que les eaux se retirent, Dieu donne deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de vie. La vie de l'homme commence même par l'arbre de vie. Bref. Donc, l'homme a besoin de la végétation. L'homme a besoin de la plante pour sa vie. Voici pourquoi, depuis quelques jours, nous sommes en train de vous parler des plantes. Voici pourquoi, depuis quelques jours, nous sommes en train de vous parler de vin. Voici pourquoi, depuis quelques jours, nous sommes en train de vous parler d'olives. Tu vas prendre ta Bible et tu vas lire. On va lire, on va aller vite. Dans le livre de Ésaü, Ésaü chapitre 15, le verset 25, je vais lire la version Semeur. Ésaü chapitre 15, le verset 25. Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ésaü chapitre 15, je ne sais pas s'ils ont pu afficher. Ésaü chapitre 15, verset 25. La Bible dit que le peuple d'Israël arrive dans un endroit, ce peuple-là a soif, mais il découvre qu'il y a de l'eau. Malheureusement, ce sont les eaux de Mara. Les eaux sont amères. Et ils ont du mal, ils ne peuvent pas boire. L'eau n'est pas potable. Et il y a la mort dans cette eau. On dit que l'eau est source de vie. L'eau doit leur permettre d'être enfin en paix. Ils ont déjà traversé le désert. Depuis longtemps, ils étaient poursuivis. Ils ont eu peur. Ils ont traversé la mer. Gloire à Dieu. Mais il y a maintenant l'épreuve du désert, du sable chaud et ils ont soif. Finalement, ils arrivent dans un endroit, ils voient de l'eau, ils voient des palmiers, ils sont heureux. Enfin, enfin, c'est terminé. C'est comme la vie de plusieurs personnes. Tu as traversé des moments de désert. Par moments, tu as eu l'impression que tu étais au bout du tunnel. Enfin, Dieu m'a fait grâce. J'ai fait une nouvelle rencontre. Je sais que je vais rentrer dans un foyer heureux. Malheureusement, ce nouveau homme, cette nouvelle personne que tu rencontres, vient finalement comme un vrai monstre. Et ta vie est en train d'être détruite. Je suis en train de parler à une personne. Tu as dit, enfin, enfin. La poisse est terminée, j'ai eu un emploi, mais l'emploi que tu as eu, pendant que tu travailles, mais c'est une véritable prison.
tu es stressé, tu es constamment humilié. Toi, mère de foyer, tu vas un jeune patron. Passe tout son temps à t'humilier, mais pour rien. Pas que tu n'es pas compétente, mais juste pour montrer qu'il est le chef. Tu es dans un endroit. Ce qui devait être ton bonheur, finalement, se manifeste comme un malheur. Ce qui devait te réjouir, finalement, est devenu comme des funérailles. Dieu t'a fait grâce. Tu tombes enceinte chaque fois, mais malheureusement, l'enfant ne va pas, la grossesse ne va pas jusqu'à terme. Tu es fatigué des fausses couches. Je suis en train de parler à une personne qui dit « Oh, Dieu m'a béni, au moins j'ai des enfants. C'est vrai, mon époux est malade. C'est vrai, mon époux n'est plus, mais les enfants réussiront. » Et bizarrement, les enfants qui sont censés être la victoire, les enfants qui sont censés être ta consolation, les enfants sont en train de vivre une véritable dépravation. Voici, ton fils est dans la drogue. Voici, ton fils est dans le vol. Voici, ton fils est rempli d'une impolitesse incroyable. Tous les témoignages qu'on rend de ton fils n'est pas un bon témoignage. Je suis en train de parler à une personne, à une femme, une maman qui est fatiguée de conseiller sa fille. Ta fille dort toujours tard. Elle peut faire 2 jours, 3 jours. Elle dort dehors. On te connaît comme la diaconesse de l'église. On te connaît comme servante de Dieu. Mais ta fille a une vie qui ne glorifie pas Dieu. Ta fille a une vie qui te fait pleurer. Lorsque tu commences à prier pour tous les sujets de prière, lorsque tu as reçu tes enfants, tu n'as même plus de mots, tu pleures. C'est ainsi que la vie du peuple d'Israël était aux eaux de Marat. Ils sont venus avec beaucoup d'espoir. Et quand ils arrivent, finalement, ils découvrent que l'eau est amère. Ils découvrent qu'ils ne voulont, ils vont mourir là, de soif, auprès de l'eau. La Bible dit, lorsque Moïse a vu cela, portant le fardeau du peuple, portant le fardeau de ses femmes, de ses enfants qui étaient avec lui, il a commencé à implorer Dieu. Et Dieu va changer la situation. Mais pour changer la situation, Dieu n'envoie pas un ange descendre dans l'eau. Dieu ne met pas son doigt dans l'eau. Dieu n'envoie pas une nouvelle eau. La Bible dit, Dieu va indiquer un arbre, une plante d'une certaine espèce. Il dit, va prendre cette plante-là et mets-la dans l'eau. Dès l'instant que tu vas mettre le bois dans l'eau, la vie va venir. J'ai envie d'être évangéliste et dire à une personne, le bois, la croix, lorsque la croix de Christ rentre dans ta vie, la vie revient. Tu m'écoutes, on est en train de parler des mystères, c'est bon, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est quelque chose d'important, de primordial, de central que tu es en train d'échouer, de laisser de côté. Accepte Jésus. Quand tu fais tes prières, l'huile, l'eau, vin, tout ça, c'est au nom de Jésus que nous prions. Je veux que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Il est doux, Jésus. Il est efficace. C'est parce que nous n'avions pas la connaissance. Carrément, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Il faut mettre les cœurs. Joël Faveur dit, le son est coupé. Élie Joseph est très là et dit, le son est coupé. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Est-ce que le son est bon maintenant? Le son, oh, le son. Est-ce que le son est revenu? Moi, j'attends juste que quelqu'un me dise que le son est là et puis je parle. Même Guy de Dieu n'a pas le son. Personne n'a le son, hein. Ah, le son est de retour. Le son était parti, mais l'onction n'est jamais allée. La grâce de Dieu dans votre vie n'est jamais allée. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, il lui indique une espèce d'arbre. La Bible dit, il lui a indiqué une espèce d'arbre. Je suis dans Exode 15, verset 25. Il dit, il implora l'Éternel. L'Éternel ne lui répond pas directement, mon fils, l'eau sera purifiée.
Il lui dit, il lui indiqua un bois d'une certaine espèce. Il te faut un bois d'une certaine espèce. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Donc, quand on est en train de prier, et puis on te dit, il faut prendre les olives entières, on va prier avec. C'est un bois d'une certaine espèce. Quand on te dit, on va prendre de l'huile, c'est un bois de la même espèce. C'est un élément du même arbre, l'olivier. Quand on te dit, prenons du vin, le vin rouge, le sang du raisin, c'est un arbre d'une espèce. Quand on te dit, pour cette prière-là, il faut que tu prennes la myrrhe, celle qui coule d'elle-même. La myrrhe, c'est la résine d'un arbre d'une certaine espèce. Quand on te dit, pour cette prière-là, la situation dans laquelle tu es, il faut prendre du miel. Oh, le miel est un trésor. Parce que le miel, c'est un concentré de plusieurs espèces que l'abeille a pris le soin de sélectionner. Le miel est un produit exquis. Le miel est un produit spirituel, mystique. C'est une abeille qui a sélectionné plusieurs grains de pollen. L'abeille ne prend jamais les plantes qui vont tuer. Elle prend tout ce qu'il faut et elle prend le temps de faire le miel. Donc, le miel est un produit qui a un pied. On en a parlé déjà dans le groupe. Qui a un pied dans le règne animal parce que ce sont les animaux qui l'ont fait. Mais quand on creuse bien, on se rend compte que finalement, c'est un produit qui vient de, comment on appelle, de la plante. Donc, c'est un animal, l'abeille, qui prend les choses. Donc, c'est les deux règnes. Si quelqu'un a pris le miel, on a fait des bonnes prières dessus, tu règnes dans tous les lieux où tu vas, que ce soit le règne végétal ou le règne animal. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi il a dit, je vous envoie dans un lieu où coule le lait et le miel. On a parlé du lait. En fait, le lait là-même, là, c'est un code pour dire un lieu où tu vas faire des sacrifices. Parce que quand il y a un lait, c'est qu'il y a une vache qui a mis bas, mais où est le veau? Pour que tu puisses avoir accès au lait de la vache, c'est que le veau a été quelque part écarté. On ne parle même plus du mâle, le taureau. Où il en est en fait, c'est un code de sacrifice. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, c'est de ça qu'il est question. Quand on te dit qu'il faut prendre le miel, c'est un concentré de plusieurs arbres, de beaucoup d'espèces. Quand on te dit pour cette prière, j'ai vu le prophète dans la Bible, il a pris les figues, il a fait un genre de gâteau, il a mis sur les ulcères du roi qui était malade et ce dernier a été guéri. Si aujourd'hui je me lève, je commence à prendre des plantes pour faire des choses, on va dire, oh, le tradit praticien est revenu, mais bon, je ne sais pas. Quand un homme comme Jacob se lève, on n'a jamais appris qui était son professeur, qui lui a appris ces choses. Ce que nous savons, c'est qu'il passait tout son temps, il était dans la même cuisine que sa mère, l'épouse de son père Isaac. Quand vous voyez une femme comme Rebecca, ce n'est pas une femme simple. Parce qu'elle a été mariée, on dirait, par hasard. Abraham a envoyé son serviteur Eliezer. On dit Eliezer dans certaines versions. Mais en fait, c'est Lazare, c'est le même nom. Pour aller chercher une femme, il a fallu que ce soit en ce moment précis là, qu'elle sorte, elle était au puits, au moment précis. C'est pas simple. Hein? Et quand elle arrive au moment précis, elle fait exactement ce que l'homme a dit dans sa prière. Une telle femme là, c'est une femme qui vient d'une famille où il y a des secrets. Et elle sait comment elle a coaché. C'est avec les plantes que Jacob a réussi sa vie. Première étape, il va prendre les lentilles qu'il va faire cuire. Et ce sont les lentilles-là qu'il va prendre pour arracher le droit d'aînesse à, comment on appelle, à son frère. Dès le départ, la bénédiction était prédestinée pour lui. Mais les conditions ont fait que c'est Ésaü qui était l'aîné. Il va préparer un plat de lentilles, il va lui donner et il va avoir toute la bénédiction.
Mais si un enfant de Dieu vient ici, je lui dis, bon, il faut organiser un repas, mais dans le repas là, il faut qu'il y ait un plat à base de lentilles ou un plat à base de haricots, tu fais manger, partager. Tu vas dire, ah, c'est quoi ça là? Haricots blancs, haricots rouges, bien aimé. C'est avec ça qu'on commence. Mais je vais te parler des choses. Tu manges haricots tous les jours, mais quand ça devient une instruction prophétique, tu organises un repas, tu donnes aux personnes, mais tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Quand la Bible dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, il y a des échanges, il y a des bénédictions, il y a des choses. On ne peut pas tout dire en deux minutes et puis on ne peut pas tout dire partout. Il faut dire, come on, et j'avance. Tu lisais ça, non, tu savais qu'il a donné un plat de lentilles, mais tu ne savais pas ça servait à quoi. Dieu nous dit ça là-même pourquoi. Ils ont écrit ça pourquoi. Ils ont écrit ça pour quelque chose. Il faut dire amen. C'est c'est la première étape. Deuxième étape est une étape animale. Il va tuer un animal, il va porter sa peau et autres. Comme je ne suis pas encore arrivé dans le sang, et puis je n'ai pas envie de parler des sacrifices comme ça. Je vais en parler plus tard dans un séminaire clos où je vais tout dire. Aujourd'hui, je ne viens pas trop dessus. Troisième étape, il va utiliser une plante encore. La Bible dit, il dort, il voit une échelle. Sur l'échelle, il voit les anges monter, les anges descendent. Quand il se lève, il utilise l'olivier. Il va prendre l'huile que vous voyez ici et il fait un vœu. Il parle à Dieu, il verse l'huile sur la pierre où il était couché. Il vient d'utiliser la plante encore. Quand il arrive, il travaille pendant longtemps. Et comme c'est une famille de malots, parce que sa maman était une malotte, lui-même c'est un malot. Non, ce n'est pas étonnant. Laban, qu'il trouve là-bas, c'est un malot. Il a inventé une loi comme quoi, non, dans notre famille, là, tant que la grande soeur ne se marie pas, c'est faux. C'était le cas, là, elle lui dit depuis le début. Et lui-même, Jacob, là, il savait que le jour du mariage, il savait que ce n'était pas Rachel. Mais comme c'est la même famille. Sinon, il pourrait dire, ah, bon, après, quand il arrive, puis il ouvre. Le mariage n'est pas encore consommé, il a vu son visage, non. Il peut dire, il ne fait plus mariage. Pourquoi pendant tout le mariage, il ne dit pas à sa femme Rachel, ah, mais. C'est vrai, Rachel, ça va être aussi en train de me marier, mais où est ta grande sœur? On ne voit pas Léa. Il sait, il savait où Léa était. C'est une famille de malots. Peut-être qu'ils ont envoyé Léa et Rachel de la même façon qu'on avait envoyé Esaü pour aller chercher un animal en brousse. Déjà, il y a un mariage derrière lui. C'est la même famille. Même ce discours de, oh, comment on appelle Esaü, comment il s'appelle? Jacob dit à, non, le papa, Isaac. Dit à Esaü, va chercher le gibier. Que c'est faux, c'était pour l'éloigner. C'est pas à Esaü qui parlait. Il a parlé fort pour que sa femme entende. La Bible dit, dès que Rebecca a entendu ses paroles, Rebecca ayant entendu ses paroles, appelle son fils Jacob. En fait, ils étaient en train d'éloigner Esaü pour faire leur truc derrière lui. Sinon, depuis quand on prend vient de brousse pour faire sacrifice de bénédiction? On ne peut pas aller tuer Gazel pour venir donner et puis être béni. Non, c'est ce que tu as élevé. C'est les moutons, cabris, poulets, c'est des choses comme ça qu'on fait. Donc, ils étaient en train de l'éloigner. C'est un plan, toute la famille a monté. Dès le début, quand l'enfant est rentré, quand les enfants naissaient là, Isaac n'était pas aveugle, il les a reconnus. Bref. Donc, quand il arrive chez Laban, il travaille pendant longtemps. Au moment où il demande la permission, il veut partir. On essaie de lui mettre les bâtons dans les roues. Les enfants même sont venus dire, ah, mais le petit, là, il n'a qu'à partir maintenant. Il a deux femmes, il est en train de faire ses enfants ici. Les enfants de Laban. Qu'est-ce qui va faire que Jacob va s'en sortir? La Bible dit, il va aller couper des plantes. Il coupe les branches vertes d'amandier, de plantain et de peuplier. Il va faire des entailles. Et il va mettre cela en contact avec l'eau dans l'endroit où les animaux mangent. Dans leur abreuvoir, il va mettre dans leur mangeoire et position de telle sorte que pendant que les femelles sont en chaleur, leurs yeux soient sur ces trois espèces d'arbres-là et que la fécondation ait lieu en ce moment. Quand cela a été fait, la Bible dit que les bêtes blanches, la femelle est blanche, le mâle est blanc, ont commencé à faire des enfants tachetés. Il a eu son salut, il a eu sa prospérité en utilisant l'arbre.
Tu as besoin d'utiliser le règne végétal pour ton élévation. Quelle est la plante qu'on t'a donnée? Dieu a donné l'olivier à Noé. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Quel est l'élément végétal mystique qu'on t'a donné? Vous voyez, la vie de l'homme, quand elle commence, ressemble. Il y a plusieurs similitudes dans notre vie. L'homme même est un arbre. Amen. Mais écoutez Jésus. À combien de reprises Jésus lui-même se compare à un arbre? Quand il parle du sarment et des cèpes, quand il dit qu'il est l'olivier, les oliviers sauvages ont été greffés dessus. À plusieurs reprises, il est comparé à un arbre. À plusieurs reprises, nous-mêmes, nous sommes comparés à un arbre. Il dit, si cela arrive au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Chacun d'entre nous se retrouve dans ça. Nous sommes de Dieu. Nous sommes comme des plantes. Parce que ce qui vient de la terre est plant. La Bible dit que Dieu a fait pousser des plantes. En fait, c'est des choses qui sont... La différence entre nous et les plantes, en réalité, n'est pas une différence de nature, mais c'est une différence de degré. Il faut dire amen. Prenez quelques exemples. L'homme. Il y a une chose qui fait notre particularité. Quand tu vas à la police, quand tu mets ton empreinte, et puis on regarde ton empreinte. Je ne sais pas si Armand peut afficher une image. On met ton empreinte comme ça. Regarde à quoi ton empreinte ressemble. Et puis, va voir une souche d'arbre qu'on a déjà coupée. Quand on coupe l'arbre, regarde sa souche, à quoi ça ressemble. Et compare cela à comment on appelle, à ton empreinte. Est-ce que les gens ont les images? Il y a la similitude est frappante. C'est un message déjà même de la nature. Tu prends ton empreinte, tu mets, on coupe une souche d'arbre, tu regardes. Tu vois un peu, il y a tel qu'il y a les trucs là, comment on appelle ça? Les niveaux. À partir de là, on peut détecter l'âge de l'arbre, si c'est une espèce qu'on maîtrise. Vous voyez, quelqu'un voit l'image, c'est comme ça. La souche de l'arbre et l'empreinte de l'arbre se ressemblent. Si tu as ton empreinte du bout de tes doigts, la plante a une empreinte comme digitale aussi en son sein. Et si tu coupes même une branche, c'est au niveau de la souche qu'on voit très bien. Il y a exactement le même truc. Et ce n'est pas la seule similitude. Prenez les poumons d'un homme. Quand vous prenez les poumons de l'homme, quand on fait une radiographie, c'est très visible. Dans les deux poumons, on a l'impression qu'il y a un arbre à l'intérieur, un arbre qui est renversé. Il y a les branches. Et puis les deux noms même se ressemblent. On a l'impression qu'il y a des branches et de toutes petites branches. Vous voyez un peu. Si l'image peut être affichée, quelqu'un va bien comprendre. De la trachée ici, on peut dire que c'est le tronc qui descend jusqu'au niveau des deux, ça va se diviser en deux parties, le poumon gauche et le poumon droit. Et ça se subdivise en branches, en petites branches. Au-dessus même où il y a les alvéoles, ça fait comme les feuilles. Sur cette image, comme c'est en noir et blanc, on ne voit pas très bien. Mais les alvéoles font des ronds comme ça, ça ressemble à des feuilles touffues. Un peu comme les feuilles de brocoli. Vous voyez un peu, c'est une branche renversée. Je vais vous expliquer pourquoi je vous montre tout ça. Je suis en train de vous dire qu'entre l'homme et l'arbre, il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Regardez, comment on appelle, les vaisseaux sanguins. Quelqu'un qui a déjà vu les vaisseaux sanguins dans une image scientifique. Il faut bien regarder tel que les vaisseaux sanguins sont. Et puis, prends une feuille à côté de toi. Regarde les nervures de, comment on appelle, de la feuille en question. La ressemblance est frappante. Tu prends une feuille, il y a une nervure principale et puis il y a des petites nervures comme ça, secondaires, qui sont tout autour. Si c'est affiché, vous me faites signe, juste que c'est affiché. Il y a plusieurs images comme ça. Je vais montrer une dernière image et je vais commencer à parler. Si quelqu'un est un peu trop sensible, la dernière image que je vais mettre là, est-ce que tu vas regarder?
faut pas trop regarder si tu es trop sensible. Hein? Voici cette image. On voit dans les mains gantées d'une personne, la personne a un élément dans sa main. Est-ce qu'on voit? Voilà, ça y est là. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Cette image, ce truc qui est dans la main où il y a tous les gants. Voilà, il y a les gants. Et puis, il y a du sang dessus. On sent qu'une intervention chirurgicale vient d'avoir lieu. Mais il faut regarder l'image. Qui peut mettre en commentaire ce que c'est? Et on voit textuellement ce que c'est. C'est ça. C'est le placenta. C'est le placenta humain. Merci beaucoup, Aïda Smith. Maintenant, ça, c'est vraiment l'image brute prise. C'est une photo. C'est pas un dessin, c'est pas une illustration. C'est vraiment le placenta qui est ici. C'est un placenta humain. Ça veut dire qu'un enfant vient de naître. Maintenant, le même placenta, là, il y a une seconde image. Amand peut m'aider. C'est du placenta humain qu'ils ont laissé un peu sécher. Durer. Ça a été plus aplati pour qu'on voit toute la surface. Quand vous regardez, c'est le même placenta. Sauf que là, l'intervention a eu lieu il y a longtemps. Il y a eu le temps de nettoyer et autres. Et c'est dans un esprit plus illustratif. Il faut regarder. Quand vous regardez, maintenant, il faut dire en commentaire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? C'est ça. On n'a même pas besoin de... Si je montre ça à un enfant qui ne sait même pas l'existence des histoires de placenta, il va me dire tout de suite, c'est un arbre. Ça ressemble à un arbre. Il y a des gens qui disent, c'est ça qui est l'arbre de vie. Ça ressemble à un arbre. Amen. Et on peut être d'accord avec eux parce que la vie de l'homme commence par là. Quand l'homme, le placenta, c'est un arbre de vie. Quand l'homme est en train de se former dans le ventre de la femme, il est connecté à sa maman et il dépend de sa maman. Son cordon ombilical va, c'est à partir du cordon ombilical, il baigne dans le liquide amniotique et autres. Et puis après, il va naître. On voit le placenta qu'on voit là avec la racine ombilicale, tout est là. En fait, toute la vie de l'enfant là, dépendait de ça. Si dès le départ, le placenta était par exemple infecté, la grossesse ne peut pas durer. Ça ne peut pas. Si l'un de ces éléments-là est infecté, donc ça veut dire que c'est la vie de l'enfant qui est comme ça. Bien-aimé, c'est son arbre de vie qui est là. C'est son arbre du milieu du jardin qui est là. Et la nature nous parle. Quand Dieu fait de telle sorte que nous ressemblions à un arbre, quand Dieu fait de telle sorte qu'il y ait plusieurs éléments en nous qui ressemblent au règne végétal, je n'ai pas d'image sous les yeux, mais prenez, après vous allez faire des recherches, quand vous prenez le fond de l'œil d'un homme, ça ressemble à une carotte, qu'on a coupé comme ça, en coupe transversale. Quand vous prenez le cerveau de l'homme, ça ressemble très bien à, comment on appelle, aux noix, à une noix. Quand vous prenez la glande pinéale chez l'homme, ça ressemble à un haricot qui est en train de germer. Et il y a tellement de choses qui nous ramènent au règne végétal. En fait, Dieu veut nous parler à travers tout. Dieu nous parle à travers sa parole et nous parle à travers la nature. Parce que la parole de Dieu, elle a été écrite un jour. Mais Dieu a commencé à communiquer avec Adam dans un jardin. Il l'a placé dans un jardin parce que c'est avec les éléments du jardin que Dieu va composer pour garder et pour cultiver Adam. Il l'a mis dans un lieu où il y a de l'eau. C'est pourquoi tu as besoin d'eau pour ta délivrance, pour ta prière. C'est pourquoi tu te baptises, c'est pourquoi tu dois faire des libations.
Il prend Adam, il le met dans l'eau. Ce n'est pas une eau simple, c'est une eau qui va dans un pays où il y a le bdellium, où il y a l'eau pure. Je veux dire à quelqu'un, les métaux, les pierres précieuses, ce n'est pas pour Satan. Il ne faut pas regarder une personne qui a porté sa chevalière, comme elle est imposante, c'est vraiment de l'or massif. Tu vas dire que c'est un sorcier. Arrête. Si toi, tu n'en portes pas, il n'y a pas de problème, ça t'engage. Moi, par exemple, en ce moment, je n'en porte pas. Je peux en porter un jour. Mais quand je vois des gens qui ont leur chevalière, c'est sa chevalière. Parce qu'on vend ça. Hein. On connaît les bijoutiers en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Maintenant, quand on prend même la vie du souverain sacrificateur, regardez le pectoral qu'il portait. Il y avait plusieurs pierres précieuses de plusieurs couleurs. Quand on va aller au ciel, il y a tellement de pierres précieuses sur les colonnes même des murailles. Donc Dieu compose avec ces choses. Tu peux prendre ta pierre précieuse, tu peux prendre l'améthyste. L'homme de Dieu va prier dessus. Il y a des anges qui se reconnaissent en ça. Ce n'est pas génie. Et en fonction de l'espèce, puisqu'il y a quatre fleuves, ce n'est pas tout le monde que l'or va avec lui. Il y a des gens, quand ils portent l'or, les choses qu'ils font ne réussissent plus. Il y a des gens, c'est l'argent blanc qui va avec eux. Ce n'est pas satanique, c'est biblique. De la même façon qu'il y a des allergies sur le plan physique, c'est comme ça, il peut y avoir des allergies sur le plan spirituel. Il y a des choses qui ne vont pas avec ton âme. C'est comme ça. Tu n'as pas remarqué qu'il y a certains parfums, quand tu sens, tu te sens comme si tu avais le palud. Quand tu sens, le parfum sent bon, mais quand tu sens, ça ne te va pas. Tu as envie de vomir, tu n'aimes pas. Tu as dit à ta femme d'arrêter de porter ce parfum. C'est comme ça, parce que ça ne te va pas. Donc, dans l'homme, Dieu nous rappelle les plantes. Un homme comme Jésus-Christ de Nazareth, quand il vient sur terre, il exerce un ministère pendant 3 ans. Pendant les 3 années, Jésus a dit, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père pendant qu'il fait jour, quand la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc la vie de Jésus était une vie à 100 à l'heure. À tout moment, il est en train de voyager de ville en ville, de village en village. Il consomme beaucoup d'énergie spirituelle. Quand il fait des miracles, quand il prie, il chasse un démon ici, il guérit un fou, il ressuscite une petite fille où Jésus passe ses soirées. Chaque soir, il se retire au mont des Oliviers. Il se retire, il est assis au mont des Oliviers, parmi les Oliviers. C'est là-bas qu'il médite. Pourquoi il va là-bas? Pour se ressourcer. Si quelqu'un a remarqué l'image qu'on a vue tout à l'heure, mais les arbres là ressemblent à des poumons. Et c'est maintenant plus tard que nos scientifiques ont découvert qu'on ne doit pas détruire tous les arbres parce que les arbres sont le poumon de la ville. Abidjan, ici, on dit la forêt du Banco, c'est le poumon de la ville d'Abidjan. Je crois que c'est à New York, il y a un grand parc. C'est à New York ou c'est à Washington? Il n'y a pas un Américain qui ne dit pas, hein? Il ne sait plus trop. Non, mais il y a un très grand parc bien connu, là, qui est considéré, il y a de l'eau, des fleuves dedans, même une petite rivière. En fait, dans toutes les villes, les espaces verts sont le poumon. Avait dit, c'est ça qui fait respirer la planète. Tu peux être fatigué. Tu es fatigué. Parce que c'est quand je vois, quand je faisais les réceptions à choses, comme on appelle, en Badon, surtout quand on était en Badon 1. Il y a des gens qui viennent, quand ils m'expliquent le sujet de prière, ils disent, bon, viens, on va prier. Et puis je l'envoie sous le manguier. Il est étonné de haï. Le coin est couvert, tout va bien ici. C'est parce que tu es fatigué que je t'envoie quelque part. La prière que tu vas faire va te faire du bien. Quand souvent on dit aux enfants spirituels, bon, il faut faire cette prière, mais sois dans tel lieu, utilise cela, viens prendre, comme on appelle, les olives, parce que tout ce qui est végétation, cela va te redonner une nouvelle force. Il faut dire amen. Maintenant, je vais conclure. Est-ce que je peux conclure tout ce que j'ai dit là? Je vais conclure. Et demain, on va terminer. Demain, c'est la finale. Demain, c'est la finale. Sincèrement, il ne faut pas manquer la finale de demain. Parce que je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je ne vais pas faire les directs.
Le week-end déjà, on commence à préparer le culte du dimanche. Mais la semaine prochaine, je serai assis ici. Mon numéro sera toujours ouvert. Je vais répondre à toutes les questions, toutes ces personnes qui me parlent. Le mardi, je serai ici. Il y aura audience prophétique. Tous ceux qui veulent des moments d'audience, d'écoute, je vais les écouter. On va prier. Le jeudi également, je serai ici. Il y aura audience prophétique. Le samedi, je serai ici. Il y aura audience prophétique. Tous les éléments que je vous ai montrés, demain, je vais vous montrer un coffret. J'ai de l'huile que j'ai consacré pour des personnes qui veulent. Il y a, comment on appelle, du vin que j'ai consacré. J'ai des bougies bleues sur lesquelles j'ai fait des prières. Tout ça vous sera présenté demain. Demain, c'est la finale. Et toute la semaine, avant que le mois ne finisse, fais un effort pour entendre un mot de ma part ou pour nous rendre visite à Bengerville, derrière le jardin botanique. Dieu va te faire énormément, énormément de bien. J'espère que tu es en train d'apprendre des choses et que ça te fait du bien. Tu vas prendre ta Bible et on est en train de conclure. On est en train de conclure. On va aller dans le Nouveau Testament. Tu vas prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Tu suis? Tu vas lire le verset 9. Matthieu 6, verset 9. Si quelqu'un a ça dans les commentaires, comme d'habitude, tu copies et puis tu colles, tu copies et tu colles. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, le sixième chapitre. On va lire à partir du verset 9. Et je lis. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis. Amen, c'est là qu'il va appeler. Comment il s'appelle? Non, ça, moi, je suis dans Matthieu 9. Matthieu 6, verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Si c'est fait, on va rester dans le même livre de Matthieu. Tu vas aller au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. La même chose se retrouve presque dans le chapitre 18. Tu as trouvé Matthieu chapitre 16? Tu vas copier le verset. Et puis, je vais lire pour que tout le monde puisse comprendre. Est-ce que quelqu'un a copié? Donc, moi-même, je vais lire le verset 19. Je n'avais pas dit le verset en dehors. Il dit, je te donnerai les clés, mais ça se retrouve dans Matthieu 18, verset 18, où il parle à tout le monde. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est avec ça que je vais conclure et nous allons faire la pratique demain. C'est avec ça que nous allons conclure. Et nous allons faire la pratique demain. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Il y a deux âges
dans la vie mystique, dans la croissance spirituelle d'une personne. Il y a l'âge de Matthieu 6, versets 9 à 10. Il y a l'âge de Matthieu 16, verset 19. Dans Matthieu 6, la Bible dit, Jésus apprend à ses disciples comment prier. Et il leur dit, quand vous êtes en train de prier, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux, comme elle est faite déjà au ciel. Il y a un âge où on s'adresse à Dieu pour que Dieu opère les choses dans le ciel afin que nous ayons les résultats sur la terre. Il y a un temps où on lève les yeux vers Dieu, on lui dit, Seigneur, nous avons besoin de la pluie, mais il y a un autre âge. Il y a un âge où on prie, oh Dieu, regarde mes ennemis, oh Dieu, fais ce combat pour moi, oh Dieu, regarde ma situation, et il y a un temps où on parle à la situation. La Bible dit, en second lieu, il ne dit pas, tout ce qui sera lié dans les cieux, il faut que vous, hommes, vous liez ça sur la terre. Non, il dit, vous, débrouillez-vous pour lier les choses sur la terre. Ce que vous allez lier sur la terre, ce que vous allez lier dans la dimension physique, il aura des entités, il aura des gens. Qui que ce soit, ce n'est pas votre affaire. Mais ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Il y a un temps où on attend que les choses descendent du ciel. Il y a un temps où on les provoque sur la terre. Il y a un temps où on lève les yeux, on regarde un nuage, on prie au Dieu qu'il pleuve. Et il y a un temps où on prend l'eau qui est déjà sur la terre. Nous versons sur la terre et le ciel est obligé de donner de sa pluie. Il y a un temps d'un commencement et il y a un temps où on devient mature. Il y a un temps où on ne connaît pas certaines clés. La Bible dit, il dit, toi Pierre, je vais te donner la clé. Je vais te donner des codes. Je vais t'apprendre comment utiliser l'eau. Je vais t'apprendre comment utiliser certains éléments afin que ce que tu vas lier sur la terre soit lié dans les cieux. Il y a des choses que tu fais sur la terre qui ont une répercussion dans les cieux. Bien-aimé, ne sois pas effrayé par les poupées vaudou. Ce n'est pas eux qui ont envoyé ces choses. C'est des gens qui ont fait une mystique plagiat. La Bible dit, Dieu parle à son prophète. Il dit au prophète, il faut prendre une brique, dessine Jérusalem, fais certaines choses, ce que tu vas faire sur Jérusalem, le siège que tu vas représenter, les choses que tu vas faire, ces choses vont arriver exactement à Jérusalem comme tu fais. La Bible dit que Élisée, avant de mourir, il a reçu la visite du roi. Il dit au roi, ouvre la fenêtre, prends une flèche et tire. Il met sa main sur la main du roi et il tire. Et Élisée se met à prophétiser. Il dit, prends encore un autre lot et commence à frapper sur le sol. La Bible dit, le roi prend et il frappe sur le sol. Ils sont sur la terre ici. Ils sont dans le présent. Et le prophète parle dans l'avenir. Il dit, mais pourquoi tu as frappé trois fois seulement? Parce que tu as frappé trois fois pendant trois ans. Tu vas vaincre tes ennemis. Tu aurais dû frapper au moins jusqu'à sept fois. Il y a des choses qu'on fait sur la terre qui ont une répercussion dans le ciel. Le sorcier qui t'a lancé le sort, il n'est pas venu s'asseoir à côté de toi forcément. Il est au village, il est loin et il fait des choses sur la terre. Les gens ont coupé juste un petit morceau de ton pain. Et avec ce petit morceau de ton pain, ils ont fait tomber ton commerce. Avec ce petit morceau de ton pain, ils ont envoyé la pauvreté. Mais lorsque le prophète te dira, envoie ceci, tu vas trouver à redire, bien-aimé, il y a un temps du bavardage, mais il y a un temps des choses pratiques. Il y a un temps pour la théorie, mais il y a un temps pour des choses pratiques, pour des choses concrètes. Je suis en train d'annoncer à une personne, que la période où les chrétiens étaient dans la théorie, la période où les chrétiens étaient dans l'à peu près, cette période-là est révolue. Nous sommes à l'ère prophétique du concret, où on te dit comment prier, et tu sais exactement à quel résultat tu dois t'attendre, et tu viens rendre témoignage. Je suis en train d'annoncer à une personne, les actions prophétiques que tu fais depuis le début du mois, ce n'est pas en vain que tu les fais. Je suis en train de dire à une personne, demain, lorsque nous allons allumer nos bougies, ce n'est pas en vain que tu vas le faire, parce que la lumière dont nous
avons parlé dans Genèse chapitre 1, cette lumière qui n'est pas le soleil, cette lumière qui n'est pas la lune, cette lumière qui n'est pas les étoiles, cette lumière qui est la lumière de Ésaïe 60 verset 1, cette lumière qui est Jésus-Christ, cette lumière, tu vas l'activer demain. Mais il faut que tu fasses les choses sur la terre. La Bible nous parle de ce prophète dans Actes des Apôtres. Agabus, il vient et il prend dans le présent, il prend la ceinture de Paul. Il s'attache et il demande à qui appartient cette ceinture. Voici ce qui va arriver dans l'avenir à cet homme. Cet homme-là sera lié là où elle part. Cet homme-là sera attaché de cette même manière, trimballé comme un prisonnier. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Et effectivement, Paul a été fait prisonnier. Mais pourquoi est-ce qu'il prend la ceinture pour s'attacher avant de prophétiser? Mais c'est des choses concrètes. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Il y a un âge où on dit, oh, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est préalablement faite au ciel. Et il y a cet âge où Jésus lui-même, il dit, je te donne les clés Pierre. Est-ce que je suis en train de parler à un Pierre? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un sur qui Jésus peut compter? Il dit, je te donne les clés, je te donne la connaissance. Il dit, fils, je te permets d'écouter les choses de la nuit afin que tu aies les clés. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas faire maintenant dans le présent aura une répercussion dans le futur. Les choses que tu vas faire dans le présent en utilisant ces éléments-là auront une répercussion dans le passé. Je ne sais pas qui t'a maudit dans le passé, mais lorsque tu vas faire tes libations, ça va annuler les premières paroles, les paroles maléfiques, les paroles de malédiction qui avaient été prononcées. Je suis en train de te parler de ces choses concrètes. Je t'annonce l'heure des choses concrètes, l'heure des choses authentiques. Demain. Demain. Et après, on va continuer avec les éléments que je vais vous remettre. Mais demain est vendredi, c'est ça? Demain est vendredi. Demain, c'est la finale. Demain, tu vas venir avec les mêmes éléments. Tu vas venir avec ton vin. Tu vas venir avec ton huile. Tu vas venir avec ton eau. Et en plus de ça, si tu as pu avoir une bougie bleue, tu vas prendre la bougie bleue. Demain, quand nous commençons, nous ne parlons pas beaucoup. Nous allons commencer par la prière et nous allons continuer à prier. C'est la finale. Et il ne faut pas que tu manques. Depuis le début, tu étais là. Ou alors, c'est aujourd'hui que tu découvres. Il faut que tu sois là demain. Une onction du concret sera disponible. J'ai dit dès le début, peut-être que tu as l'impression que ta vie est dans le noir, tu vois rien, c'est devenu bizarre, tout ce que tu fais est chaud. Bien aimé, le noir ce n'est rien. Le noir c'est juste l'absence de la lumière. Il faut créer ta lumière. Il faut créer ta lumière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, on n'a pas dit un soleil, on n'a pas dit une lune, ta lumière, la lumière qui t'appartient là, arrive. Tu dois resplendir. La lumière peut venir et tu vas la manquer si tu ne connais pas les codes. La Bible dit qu'il y a un époux qui venait et il y a normalement 10 vierges qui l'attendaient. Il y en a qui n'avaient pas de l'huile. Il y en a qui n'avaient pas de l'huile. Bien aimé, le Nouveau Testament même est codé. Il y a 5 qui étaient folles. Elles ont dit qu'elles peuvent s'en sortir sans huile. Il y a 5 qui étaient folles. Elles ont dit, oh, affaire de huile, là, c'est quoi? Est-ce qu'on est obligé d'utiliser de l'huile? Et il y en a 5 qui ont dit, ce que le prophète est en train d'enseigner, ça peut nous faire du bien. Elles ont pris leur huile. Il y a 5 qui ont dit, quelle affaire de bougie? On n'a pas besoin de feu, on n'a pas besoin de lumière. Il y en a 5 qui ont dit, il nous faut vraiment la lumière. Et la Bible dit, c'est au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, que l'époux est arrivé. On a entendu sa voix. Que l'époux arrive, malheureusement, il y en a 5 qui ont été prises. Demain, prends tes éléments, viens t'asseoir et nous allons faire la finale. Nous allons prier ensemble et Dieu va vous bénir. J'ai fini. J'avais promis de répondre à la seule question qui avait été posée dans les commentaires. On peut conserver les éléments sur une période pour faire les prières. On peut conserver son huile, on peut conserver son vin, on peut conserver son eau pour faire les prières sur une longue période. Cependant, en ce qui concerne le vin, ça dépend de comment on conserve. Parce que le vin que tu prends pour faire la prière aujourd'hui, pour ta bénédiction et autres, quand c'est conservé dans une certaine façon, ça va se fermenter.
Quand ça commence à se fermenter, il va avoir un dépôt. Le dépôt, là, on appelle ça l'ali. Dès l'instant que le vin devient bizarre comme ça, ça devient aigre, que ça se fermente, on prie toujours avec. Mais ce n'est plus dans un sens, ça devient irritant. Ce n'est plus dans un sens de prier pour être béni. Mais on verse ça pour nos ennemis. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaumes, Dieu tient dans sa main une coupe où fermente du vin et plein de mélange, beaucoup de liqueurs, vous voyez, plein de mélange, et il verse et les méchants boivent, ils sucent jusqu'à la lie. Quand le vin est de cette qualité, mal conservé, on laisse. La dernière fois, je vous ai dit que tu peux prendre ton vin, tu fais des mélanges. J'ai dit que Dieu m'a inspiré un jour, j'y mets même du piment, du poivre, des choses comme ça. Tu laisses dormir un jour, deux jours. C'est un vin que toi-même, tu ne peux pas boire. Tu fais, tu verses et tu récites le psaume que je viens d'évoquer. L'Éternel verse une coupe où fermente plein de mélanges, de liqueurs, plein de mélanges. Et les méchants boivent, ils sucent, les rois de la terre, les méchants. Ils boivent jusqu'à la lie. C'est une formule de malédiction, une formule pour éloigner nos ennemis de notre vie. Donc, vous prenez comme ça et vous le faites, c'est comme ça. Sinon, si c'est bien conservé, sans fermentation, tu peux l'utiliser pour faire toute forme de prière. Mais sinon, quand ça commence à se fermenter, commence à avoir un dépôt de lie, c'est mieux d'utiliser contre l'adversité, contre nos ennemis. Je pense que j'ai répondu à la question. Il y a une autre question? Répérez-moi la question. S'il y a une autre question, je réponds. Ou alors demain, on la répète tranquillement et j'y réponds. Mais comme la personne est en ligne maintenant. La personne a demandé est-ce qu'il y a un degré pour... Un degré pour le vin. Et il n'y a pas un degré spécifique pour le vin. Mais dans le spirituel, la numérologie compte. Donc, si tu as un vin de 7 degrés, c'est bon. Mais c'est rare de trouver un vin de 7 degrés. Voici les degrés que moi, je prescris, ce que ma famille prescrit. On vous conseille de prendre un vin rouge de 13 degrés. C'est très, très bon. C'est parfait pour faire les libations. Si ton vin est de 11 degrés, 12 degrés, ce n'est pas grave. C'est toujours du vin rouge. Mais si c'est de 13 degrés, c'est parfait. C'est de ça qu'il est question. Je pense que j'ai répondu à ces questions-là. Quelqu'un me demande le psaume, c'est Zad Wali. Il s'agit de quel psaume? Où fermente là? C'est psaume 75. Quelqu'un a répondu déjà? C'est psaume 75, verset 7 dans certaines versions, verset 8 dans 8 secondes. Donc, je pense que... C'est ça. On me demande un psaume, le psaume, papa. Oh bien, André, moi, je vois un peu les commentaires en retard. D'accord. Psaume 75, verset 8, où on parle de la coupe dans la main de l'Éternel ou fermente. C'est ça, Zad Wali. C'est le psaume en question. Et puis, j'avais promis de donner le psaume par rapport à l'eau de pluie qu'on utilise. Demain, je vais revenir dessus. L'eau de pluie de mardi pour nos ennemis, c'est le psaume 77, verset 18 et le psaume 144, verset 6. On fait l'action entre le psaume 77 et le psaume 144. Ça veut dire que tu lis d'abord le psaume 77 et puis tu verses et puis tu conclues par le psaume 144. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je prie que la main de Dieu soit avec toi, que tout ce que tu as reçu comme affectation positive, les anges, que à la fin, dès demain, que tu aies ton témoignage au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.